C'est la première fois qu'on le voit ce soir. Souriant. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche, le roi de canard, le plus chiche, le plus roublard. En suivant Pipi, Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. Chers compatriotes, avec une participation supérieure à 80%, les Français ont pris la mesure du choix historique qu'ils ont à faire pour l'élection présidentielle. Les Français ont fait un acte de civisme et en agissant ainsi, ils ont démenti toutes les prédictions et déjoué les pronostics. Les Français ont exprimé un vote de crise, témoignant de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Pour leur famille. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, c'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou, c'est le plus puissant de tout. Nul n'aura le droit de se dérober. Canardville, Picsou, nul Picsou, n'aura le droit de il se dérober. Vaut des milliards. Le moment crucial en or est venu. Le moment crucial est venu. Le moment crucial Picsou est venu. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. Les Français ont le droit à la vérité et à la clarté. Nul ne pourra se dérober. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le premier tour. Canardville, Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou, en suivant Picsou. Merci d'être là. Merci d'aimer à ce point la France. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. Canard, le plus chiche, le plus roublard. En suivant, nous entrerons dans fier de cet immense rassemblement. Merci, qui que vous soyez. Merci. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Je vous dire, vous le méritez. C'est vous qui le méritez.
Il y a Zaza et la gâteur John Splagada. Un savant en histoire, j'ai où trouve tout. Mamie Baba, la gouvernante. Et il y a surtout tous ces fous d'Europe, tout. Et c'est un Nicolas Sarkozy qui joue les prolongations sur son intervention. Il ne boude pas son plaisir de se retrouver face à des partisans enthousiastes. Oui, 21h52 les chiffres. Et bon. Quel survivant de l'enfer, quel pour en quoi de le faire, quel dans le chaos des esprits, quel contre les fous, les bandits, quel survivant de l'enfer, quel pour en quoi de le faire, quel dans le chaos des esprits, quel contre les fous, les bandits. Interrogé dans ce entre deux tours, si vous voulez conforter la finance comme ça a été le cas pendant ces dernières années, votez Sarkozy. Si vous voulez la combattre et la soumettre, votez François Hollande. Si vous voulez l'Europe libérale de la récession et de l'austérité partout, votez Sarkozy. Si vous voulez la réorientation de l'Union européenne, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. 60%, simplement c'est déjà beaucoup, mais 60% des électeurs de Marine Le Pen qui disent qu'ils voteront pour Nicolas Sarkozy au second tour. Donc c'est évidemment pas suffisant pour lui pour franchir la barre, ce qui va certainement d'ailleurs orienter sa campagne de second tour. On l'a entendu dans les propos sur la patrie, sur l'amour de la France qu'il a tenu ce soir dans sa déclaration. Je pense que Sarkozy est battu, voilà. Vous voterez quoi au deuxième tour? Oh, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Faites-le pour la France, pour son avenir. Pour celui de vos enfants, faites-le autour du président de la République. Tout faire pour que notre pays sorte enfin du sarkozysme en se rassemblant autour de la candidature de François Hollande. Le 6 mai, pour battre Sarkozy, c'est nous qui faisons les décisions dorénavant, à gauche et dans le pays. Battre Nicolas Sarkozy, ça veut dire voter François Hollande. Non. La clé du scrutin, elle est dans les mains des Français. En réalité, nous ne sommes plus, comme auparavant, 9 candidats contre 1, mais un seul candidat, Nicolas Sarkozy, face à un autre candidat, François Hollande. Et ça va être un moment de vérité, parce qu'en réalité, désormais, plus personne ne pourra se cacher. Ça va être un moment de vérité, parce qu'en réalité, désormais, plus personne ne pourra se cacher. Le fait que vous rigoliez aux éclats et tout le champ, mais n'a rien à voir avec le débat. C'est une question très concrète, parce que là, on ne pourra plus jouer à cache-cache. Jouer à cache-cache. Moi, je suis main dans la main avec Cécile Dufour. Vous avez même signé un accord électoral ensemble. Absolument. Visiblement, ça vous conforme beaucoup. Voilà. On écoute Martine Aubry. Moi, ce que j'aimerais, pendant ce deuxième tour, qu'effectivement, on parle des problèmes des Français. Les problèmes des Français, ils nous le disent tous les jours. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on peut pour sortir des moments difficiles. Avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines viens lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Caline est taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Les gens qui sont venus vous voir, vous parlez des emplois, des logements, au pouvoir d'achat, comment n'avez-vous pas dites au président de la République notre politique ça va pas, faut changer la politique de logement, faut changer la politique de salaire, vous en construisiez 50 000 par an. Oui, non, ça c'est le discours. On en a fait presque trois fois plus. Mais c'est des chiffres, mais bien sûr. Alors nous allons arriver au droit de vote des étrangers. Alors le droit de vote pour les étrangers et d'éligibilité, vous avez mis les deux. Alors non, nous n'avons pas mis les deux. Alors voilà, c'est ça qui est bien, c'est que finalement vous recommencez entre deux tours ce que le président Sarkozy fait depuis 5 ans, mentir aux Français.
contre-vérité. Allez, l'incapacité, après, vous réponse, vous, s'il vous plaît, l'incapacité Jean-François Coppel, vous répond. Que vous avez à parler de votre propre projet, car dans dire que vous allez continuer à casser les services publics, l'éducation, dire que vous allez continuer à casser les services publics, à voter, dire que vous n'allez pas, alors vous nous parlez du droit de vote. Eh bien oui, nous sommes pour le droit. Allez-vous me laisser terminer là-dessus ? Nous sommes sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, pas à l'éligibilité sommaire, c'est-à-dire en conseil général pour les étrangers. Bien sûr, parce que nous voulons pas une société qui oppose les gens. Ce que vous avez fait depuis le début, avec l'identité nationale, avec tout ça, nous voulons simplement nous. Non, on donne le droit de vote aux étrangers, vous êtes sur un vote. Vous la laissez parler. Elle vous répond, là, Jean-François Copé. On laisse parler Martine. Les étrangers voteront aux élections locales uniquement. Ils sont parents d'élèves, ils payent des impôts. Non, vous, pas parce que nous ne sommes pas comme M. Sarkozy pour le communautarisme. Nous n'avons pas appelé quand il était ministre de l'Intérieur, quand il appelait les imams pour amener l'ordre dans les quartiers. Nous avons dit. C'est quelqu'un qui a mis les vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas vrai. Était meilleur que les instituteurs pour élever les enfants. Donc sur la laïcité et sur le communautarisme, oui, justement, comment au pouvoir d'achat, comment au pouvoir d'achat, toutes les lois d'interdiction de la burqa. Nous sommes contre la burqa. Nous sommes contre la burqa. Sur la burqa, vous m'avez expliqué que dans votre ville il n'y en avait pas, contrairement à la mienne. Et maintenant vous m'expliquez comment. Vous avez décidément. Écoutez, je crois que Jean-François Copé a eu en direct la réponse de François Hollande dans le débat qu'il a opposé. Non, il vous a dit très clairement et avec un humour qui manifestement vous manque. Il vous a dit clairement qu'il n'y aurait qu'une centrale de fermée d'ici 2017. Et cette centrale, elle est identifiée, c'est Fessenheim. Voilà, donc la réponse, vous l'avez. Ça n'est pas parce que vous poserez une fois la même question que vous aurez une réponse différente. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Fessenheim, mais M. Copé ne peut pas dire qu'on ne sait pas pourquoi Fessenheim, ça présente un risque. C'est la plus ancienne. C'est sous le canal, c'est sur une zone. Mais enfin, si Madame Bouchecom-Rézé, expliquez-lui. Au moins, soyez sincère, une seconde, et expliquez-lui. Vous l'avez même pas dit. Bien entendu. Qui dit qu'il faut faire des travaux Nathalie Kosciusko-Morizet, vous répondez. Qui dit qu'il faut faire des travaux la sûreté nucléaire. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous répondez. C'est à vous, vous êtes en direct. Dites-nous quel est le climat, quelle est l'ambiance de Sol Ferrino. Manifestement, c'est une fois encore.